Hosanna l'amour. Hosanna l'amour. Hosanna l'amour. Tikanda ina yemba. Zambe zama l'amour. Tikanda ina yemba. Hosanna l'amour, Hosanna l'amour, Hosanna l'amour, Hosanna l'amour, Tikanda ina yemba, Zambe zama. Tikanda ina yemba, nzambe uzama lamu, uzama lamu, papa, uzama lamu. One more time. Uzama lamu, uzama. Hosanna l'amour, papa, Hosanna l'amour, tika, tika na ina yemba, nzambe Hosanna l'amour, tika na ina yemba, nzambe Hosanna l'amour. Hosanna l'amour, Hosanna l'amour. This song just means God, you are so good. Amen. Dieu, tu es si bon. Yes, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, that is why, dear brethren, ce matin, là où tu te trouves, where you are this morning, j'aimerais que tu puisses réaliser la bonté de Dieu. So I want to realize, to think of the goodness of God. Il est vraiment si bon. So our God is so good. Alléluia. He's so good. Il est bon. 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 Contemplate of his glory. Contemple sa Contemplate gloire. Contemplate of his glory. Contemple sa Because gloire. Because our God is good. Parce que notre Dieu For est making bon. Us see today our God is good. Il a fait que nous puissions voir cette journée. For making us see this wonderful day our God Il is a fait good. Que nous puissions voir cette journée. Il est bon. He is good, dear brethren. Il est bon. Bien-aimé. He's so good. Il est si bon. So wherever you are, dear brethren, là où tu te trouves, bien-aimé, you are right now, là où tu te trouves maintenant, begin to appreciate God. Commence à remercier begin to Dieu. Give him glory. Commence à lui donner la begin gloire. To tell him he's so good. Commence à lui dire qu'il est si bon. Tell him so good upon your life. Dis-lui il est si bon dans ta tell vie. Tell him so good upon life of your children. Il est bon dans upon la vie de the tes life enfants. Of your family. Dans la vie de ta famille. Upon the nation, dans la vie brethren. De toutes les nations. Tell He is so good. Lui qui t'a réveillé Indeed, ce matin. So good. Oh oui, bien sûr. Indeed, il est so si good, bon. Dear brethren. Oh, il est si Many bon. Slept all bien last night, dear Beaucoup brethren. Ont dormi, mais ne se they sont pas know, réveillés. They don't wake up this morning. Ils ne se sont pas réveillés. Our God is so Notre good. Dieu est si bon. Not that we are better than them, dear brethren. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont we morts. We are not better than them, dear brethren. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui Many sont morts. Many have been rushed to the hospital as we speak right now. Et beaucoup sont dans les hôpitaux, alités dans les hôpitaux. Oh, dear brethren. Oh, bien aimé. Many are better than you and I. Beaucoup sont mieux que toi et moi. But for you and I, dear brethren. Mais pour que toi et moi, bien aimé. To still be in good health. Que nous soyons en bonne santé. To be in his presence. Et d'être dans sa oh, présence. Oh, contemplate his glory. Contemple la gloire de contemplate Dieu his glory this morning. Contemple la gloire de Open Dieu your mouth and begin to pray. Ouvre ta bouche et oh, prie. Oh, Father, King of glory. Hosanna l'âme. Jehovah, you are so good. Hosanna l'âme. Jehovah, you are so good. Lord King of glory, you are good. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon Papa, you are good. I testify, you are good. Que ton nom soit exalté. I testify, oh
Lord, of your glory, Lord. I testify of your glory. I contemplate of your glory because you are good. You are good, oh Lord, to me and my household, oh Lord. Baba, I confess this morning, Lord, that you are so good, oh Lord. Merci, oh Père. Baba, thank you for your steadfast love, oh Lord, Father, Lord. Baba, thank you, Lord, King of glory, Lord. For all your peace, oh Lord, King of glory. For your compassion, oh Lord. Upon me and my household, oh Lord. Upon my family, I deny. King of glory, I say, you are good, oh Lord. Indeed, you are good, oh Lord, King of glory. Baba, Lord, Jehovah, for us to sleep and wake up, oh Lord, Father. It's not our power, oh Lord. It's not our strength, oh Lord, Father. It's just your glory, or your grace, oh Lord, Father. It's just your grace, oh Lord. It's just your mercy, oh Lord, Father. Baba, I say, thank you, Lord. Baba, I say, thank you for the nation, oh Lord, Father, Lord. Because you've not yet destroyed the nation, oh Lord. Baba, I say thank you, Lord, King of glory. I say thank you for still giving us the chance, oh Lord, Father, for to still live, oh Lord. I contemplate of this your glory, Lord. I contemplate how great you are, oh Lord. I contemplate how good you are, oh Lord, Father, Lord. Oh, Jehovah, Lord, I say thank you, Lord. Papa, Lord, I say thank you, Lord, King of glory. For me to still be, oh Lord, Jehovah, before this camera, oh Lord, King of glory, Jehovah. And know that everything is okay. Oh, Papa, Lord, I say thank you. Jehovah, King of glory, I say thank you. Thank you, Lord, for being our strong abode, Lord, Father. Lord. No wonder you said in your word, oh Lord, that those that dwell, oh Lord, King of glory, the people of the Most High, who are a portion of the Almighty, Lord, Father. Thank you, Lord, Jehovah, Lord, King of glory, for being our refuge, oh Lord, for being our security, oh Lord, for being our protector, Lord, for being our guardian, oh Lord. Oh, Father, thank you, Lord, King of glory, for all you have done, oh Lord, for all that you are still here to do, Baba, we say thank you. Baba, we glorify your name. Lord, glorify your name, oh Lord. You said, oh Lord, Jehovah, King of glory. That, oh Lord, King of glory, that we show, oh Lord. Show, oh Lord, be thankful, oh Lord. So be thankful, oh Lord, for you, Lord, Father, Lord. That is why this morning, Lord, King of glory. Indeed, oh Lord, Father, Lord, Jehovah. I come to render, oh Lord, my thanks to you, Lord, Father, Lord. Because I recognize, oh Lord, Father, it has been you, oh Lord. This miracle is you, Alleluia. Lord, Father, Lord. Because to sleep and wake up is a miracle, Lord, Father. It's a miracle, Lord, Father, Lord. It's a miracle, Lord, Father. It's you who have manifested and performed that miracle, Lord, Father, in the life of my family, Lord, Jehovah. Because I'm not here, oh Lord, Jehovah. I'm not here, oh Lord, bad news, oh Lord. And I know I'm not here, bad news today, Lord. Because you are with us, oh Lord, Father. Baba, I say thank you, Lord. Alleluia. Thank you, Adonai. Baba, we glorify your name. Baba, we exalt you. We say thank you, Father. We say thank you, Jesus. Thank you for making us to be in your presence again. Thank you for making us to keep your Sabbath, oh Lord, Father, Lord. Oh, Jesus, thank you, Lord, King of glory, Lord, for being your presence, oh Lord, King of glory. To be under your presence, oh Lord. To worship you again. To exalt you again, oh Lord. So magnify your name again, Lord, Father. Baba, I say thank you, Lord, King of glory. Baba, Lord, Jehovah, Lord. Oh, King of glory, what all could I say, oh Lord, Father? What all could I say, oh Lord, Father? It's just to thank you, Lord, Father. 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 Oh Lord, King of glory, for the life of my brethren, oh Lord, Father. Because we've not heard any bad news, oh Lord, through telephone, oh Lord, Father. I thank you for the life of all Lord Jehovah. My spiritual children, oh Lord, Father. All my biological children, oh Lord, Father. I thank you, Lord, for every members of Universal Church of God. I thank you, Lord, for the nation, oh Lord, Father, Lord. Because, oh Lord, King of glory, we still exist, oh Lord, Father. Baba God, I say thank you. King of glory, I say thank you. Jehovah Yahweh, I say thank you. Thank you, Adonai.
Thank you, King of glory. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified, Lord. You are worthy, Lord. Indeed, you are Yahweh. Indeed, you are Yahweh. Indeed, you are Yahweh. Indeed, you are Yahweh. Oh, Father, we say thank you. Hallelujah. You are our God, oh Lord. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yes, Lord. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Our Alpha and Omega. Hallelujah. Merci, it's our Alpha and Omega, dear brethren. It's the Alpha and Omega. There is no one like him. Il n'y a personne. There is no one like him. Il n'y a personne. In heaven, on earth, and beneath, dear brethren. I want us to continue to appreciate him, dear brethren. He's Yahweh, dear brethren. He's Yahweh. He's Yahweh, the ultimate power. Baba, you are the ultimate power. The Alpha and Omega. The beginning and the end. Oh, Father, King of glory, I say thank you, Lord. Jehovah, you are worthy, Lord. Papa, Lord, we testify you are worthy. We testify you are worthy. Heaven and earth testify you are worthy, Lord. You are worthy, King of glory. You are worthy, Lion of tribe of Judah. You are worthy, God who never sleep nor slumber. Oh, Father, I say you are worthy, Lord. Imagine, Lord, King of glory, if you should close your eyes, oh Lord, for a second, oh Lord. Oh, what would have been the outcome of all humanity, Lord? What would have been the outcome of humanity, Lord, Father? Oh, because, oh Lord, without you, we are nothing, Lord, Father. Papa, Lord, I say thank you, Lord, Father. Jehovah, I say thank you, Lord, King of glory. Because our life is in your hands, oh Lord. You are the creator of all universe, oh Lord, Father. Jehovah, I say thank you, King of glory. The God that created the world in his hand, oh Lord. Papa, you are great, oh Lord, Father. How great thou art, oh Lord. How great thou art. Oh, Father, King of glory. I said, thank you, Lord Jehovah. I said, thank you, Adonai. Blessed be your name, Lord. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dear brethren. Bien-aimé. I still want us to open our mouths and pray. J'aimerais que nous puissions ouvrir encore nos bouches et prier. Even though we are still in this situation of restrictment or isolation or lockdown. Même si nous sommes encore dans cette situation de confinement. Dear brethren, bien-aimés, maybe we've heard against you one way or the other. Ah, peut-être, I wish I know. Peut-être que nous avions entendu du mal de quelqu'un. Maybe through the telephone, your mouth. Peut-être au travers des téléphones. Maybe your character. Peut-être par rapport à ton caractère. That does not glorify God. Qui ne glorifie pas Dieu. Let's ask for God's mercy. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Upon our families, dear brethren. Dans nos familles, bien-aimés. Because what affects the eyes must surely affect the nose. Parce que ce qui affecte les yeux affecte aussi le nez. We are also going to ask for God's mercy upon the nation. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur les nations. That God should forgive the nation, dear brethren. Que Dieu pardonne les nations. Because that is what the Bible also asks from us. C'est ce que la Bible nous demande. We should also seek for the good of the land. La Bible nous demande de chercher
premièrement le bien de la ville, that God should forgive us our trespasses. Que Dieu pardonne nos péchés, our iniquities, nos iniquités. If you know you've not sinned, dear brethren, si tu sais que tu n'as pas péché, don't pray but pray for others. Ne prie pas, mais prie pour les autres. But let me tell you, the Bible says. Mais laisse-moi te dire que la Bible nous dit. It says that means you make God a liar. Là, tu fais de Dieu menteur. And you know that you there's no truth in you. Alors que tu sais qu'il n'y a pas de vérité en toi. So let's ask for God's mercy sincerely, dear brethren. Voilà pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu. From the heart, dear brethren. Vraiment de tout ton cœur. So that God will have mercy on us. Afin que Dieu. So that God will forgive us. Avoir pitié de nous. All of our iniquities. All our atrocities. Nos iniquités, toutes nos atrocités. Also pray for our body of Christ. Prions aussi pour toute l'église corps du Christ. That God should forgive us. Afin que Dieu nous pardonne. In any way we heard against Him. Dans n'importe quel. In any way that we've gone astray. Nous avons. From his doctrine. Détournés de lui. From his doctrine. Doctrine. That God should have mercy. Que Dieu ait pitié de nous. Pray in the name of Jesus. Élève ta voix et prie là où tu es. Father King of Père glory. De gloire, nous venons au devant de ton trône de grâce. Demander pardon éternel. En commençant par moi-même. Have mercy, oh, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Pardonne-moi mes atrocités. Knowing. Mes manquements. Lord Jehovah, moi, éternel Père, négligez, oh Lord, mon Dieu, mon roi, mes péchés, mes pensées, oh Lord, ma parole, my duty, par omission, par as a Christ-like, pardonne à ma femme, have mercy upon me, Lord, biologique et spirituelle, pardonne aux membres de ma famille, proche ou élargi, Père, Father, Lord, have mercy oh, pardonne, éternel, have mon Dieu, upon mon my roi, children, Lord. Pardonne, oh Lord King, have mercy, Lord. Let me my children have sinned against you, Lord. Christ. Let me my husband have sinned against you, Lord, Father. Let me who've sinned, oh Lord. As a minister of God, as a parent, as those that bear, those who are weak. Oh Father, have mercy upon us. Have mercy upon our body of Christ, oh Lord. Jehovah, in any way, oh Lord, that all body of Christ have gone astray, Lord. In any way, we are backslided from faith, oh Lord, because of situation of one or the other. Rabbi, have your mercy, Lord. Have your mercy now tonight. Have mercy upon all of my family, Lord. My family, Lord, King of Glory. That I've still taken their sin time, oh Lord. That's still taking let them do all of what they want, oh Lord. Oh, Father in heaven, Lord. No one more can see you, Father. No one more can see you, Adonai. Father, have mercy upon my family, so Lord. Have mercy upon the nation, oh Lord, Father, Lord. Oh, my Lord and my God, Jehovah. Oh, because I know, Lord, because of Lord, Jehovah. Of our atrocity, Lord, Father, King of Glory. That you are angry, oh Lord. Papa, have mercy on us, oh Lord, Father. Have mercy upon us, oh Lord, Father. Have mercy on King of Glory. Because I know you are the God that sees everything, Lord, Father. Can we hide, oh Lord, Jehovah? Our sin from you, Lord, Father. You said even though we hide, oh Lord, under the tree, oh Lord, Father in heaven, Lord, that you will still see us, oh Lord. Like the way of Adam and Eve did, oh Lord. They went to hide, oh Lord, Father, Lord. But you, God, that sees, oh Lord, even in darkness place, oh Lord, you still see Adam and Eve, oh Lord. How much more we, oh Lord, Father, oh Father in heaven, Lord, Father, have mercy, oh Lord, King of Glory, have mercy, Adonai, Lord. I beg you, Lord, King of Glory, have mercy, Lord, have mercy, Lord, King of Glory. May we not be afraid of you, oh Lord, Father, Lord. We always beat of our chest, oh Lord, Father, Lord, and we know that we have no power, oh Lord, Father, but you, oh God Almighty, Lord, Papa, have mercy upon us, oh Lord, Father, Papa, Lord, Jehovah. Lord. Oh, Father, Lord, King of Glory, please have mercy upon us, oh Lord, Father, Lord. Jehovah, King of Glory, Lord, have mercy upon us, oh Lord, Jehovah, that we thought, oh Lord, that we are the creator of ourselves, that we are the proprietor of ourselves, that we are the owner of ourselves. We forgot, oh Lord, King of Glory, that as we will go by this, we are going to die by God. But where will our soul, oh Lord, going, oh Lord? Papa, Lord, have mercy, Lord, Father, Lord. Have mercy, you said, oh Lord, Jehovah, King of Glory, Jehovah. Baba, because all of King of Glory, Lord, Father, oh, Jehovah, we don't want to go astray. We don't want to perish, oh Lord, Father, Lord. Baba, that is why we come to ask your mercy, Lord. Ask your mercy, Lord, Father, Lord. Please, I beg you, forgive us, oh Lord. Forgive us, Adonai, Lord. Forgive us, oh Lord,
Lord Jehovah. Peut-être que nos propres enfants in destruction, oh, Lord. Oh, my Lord, have mercy. I'm going to myself, oh Lord. Christian, Lord. How can we support the weak, oh Lord? If you're going to myself as a Christian, Lord, we are even weak more than all, Lord. Those who are not a Christian, Lord. Papa, have mercy upon us, oh Lord. Papa, Lord, have mercy upon us, oh Lord. Père de gloire, pardonne-nous notre attitude. Thank you. Merci, Jésus. Thank you, Adonai. Merci. Baba, we say thank you. Père, nous te disons merci. We say thank you, Lord. Nous te disons merci. We say thank you, Adonai. Merci, Adonai. We say thank you, King of Glory. Merci, le roi. The God of compassion. Le Dieu de compassion. The God of compassion. Le Dieu de compassion. The God of compassion. Le Dieu de compassion. We say thank you. Nous te disons merci. We say thank you. Nous te disons merci. We say thank you. Nous te disons merci. Blessed be your name, Lord. Que ton nom soit béni, in the name of Jesus Christ. In Jesus Christ. Dear brethren, we are still going to pray. Bien aimé, nous continuons de prier. Let's pray for those, dear brethren. Nous allons prier pour ceux, oh bien aimé, that have been contaminated with this disease of coronavirus. Contaminés par le coronavirus. That God should heal them. Que le Dieu de la Bible puisse les guérir. That God should heal them. Que le Dieu de la Bible puisse les guérir. We are also going to pray for their families. Nous allons prier pour those that already died, dear brethren. Pour ceux qui sont déjà morts. That God should comfort the family. Que Dieu réconforte leur famille. Dear brethren. Bien aimés. It's souls that are dying. Toutes les âmes qui meurent. Souls that are dying. Les âmes qui meurent. They have families. Et ils ont des familles. That God Almighty. Que le Dieu tout puissant. To comfort the family, to bear their loss. Puisse réconforter les familles. And those who are contaminated. Et ceux qui sont contaminés, bien fighting for their life at the hospital bed. Ils sont encore dans les hôpitaux en train de lutter entre. Some are still fighting their at home. La vie et la mort dans les lits des. Everyone being isolated, dear brethren, but they are sort of being isolated, fighting for their life. Il y en a qui sont isolés, ils sont en train de lutter pour leur vie. They are being isolated, they cannot eat, dear brethren. Ils ne peuvent pas manger, bien aimés. Let's pray that God's hands of healing should come upon them. Élevons nos voix, tendons nos mains vers eux, là où ils se trouvent, à la maison ou aussi dans les chambres de hôpitaux. Tendons nos mains vers ceux qui sont atteints, non seulement, je dirais, par la maladie de coronavirus, mais aussi aux autres maladies. Il y a beaucoup qui sont atteints, peut-être des cancers. Yes. Il y en a qui souffrent de maux de tête. Il y en a qui souffrent de maladies, des maladies héréditaires. Il y en a qui souffrent de diabète. Il y en a qui souffrent des hémorroïdes. Il y en a qui souffrent de maladies. Oh, bien aimé, des poumons. Il y en a qui souffrent de maladies de foie. Oh, élevons nos voix là où nous sommes. Élève ta voix de tout ton cœur afin que le Dieu de la Bible, que nous appelons Jéhovah Rapha, lui qui est au plus présent, puisse le toucher. Je sais que par ta prière, bien aimé, Father, may your heaven be open to them. May your favor all
not come to them. Your grace will not come to them, O Lord. Another chance, O Lord. Let your son be given to them, O God. I beg you, Lord, King of glory, Lord. Papa, Lord, hear your children, O Lord. Hear your children, O Lord, King of glory. Wherever they are right now, O Lord. You are the God that sees them, O Lord, they have. Papa, Lord, hear your children, Lord. Hear your children, O Lord. I call upon you, Lord, Jehovah. Le I call upon you, Almighty God in heaven. This is the ultimate power, Lord. Papa, intervene, O Lord. This is the life of my brother and my sister, O Lord. That are sick right now. Whatever sickness, O Lord, they are passing through, Lord. Spiritually, O Lord. Or physically, Lord. Papa, arise for them, O Lord. Arise and heal them. Heal them completely, Lord. Heal them completely, Lord. Heal them completely, Lord. In the name of Jesus Christ. My Lord, la maladie de Lazare, you said the maladie ne le conduira pas à la mort. De la même manière, je déclare et je confesse au nom puissant de Jésus-Christ, le coronavirus ne tuera pas un bien-aimé, ne tuera pas un frère, ne tuera pas une sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je confesse au nom puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, que les cancers de sang ne tuera pas mon frère. De notre foi. J'ai la foi, Père de gloire, yes, Lord, que ce matin, Lord, tu as visité quelqu'un. Que ce matin, Père de gloire, tu as changé une situation de détresse. Oh, ce matin, Père de gloire, je sais que quelqu'un est venu là parce que tu as guéri quelqu'un. Parce que tu as guéri quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je sais que ce matin, tu as guéri quelqu'un. Par ton sang précieux, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Dear, we are still going to pray. Bien-aimés, nous continuons de prier. Let's call upon the blood of Jesus. Nous allons invoquer le sang de Jésus. The blood of Jesus Christ. Le sang de Jésus Christ. To guide and protect us. Pour nous guider. To guide and protect our families. Pour protéger nos familles. To guide and protect the nation. Pour protéger les nations. To protect those, dear brother, the Lord has already healed. Pour protéger ceux qui sont déjà guéris. Let's pray for the
blood of Jesus. Demandons que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Just speak for our favor. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus va contre mon frère, va contre ma soeur, va contre la maison d'un frère, la maison d'une soeur, la famille, l'église universelle de Dieu, le Rouvain et le Tradit. Que le sang de Jésus, Père de gloire, couvre et protège ma soeur qui est en train de nous sauver en ce moment dans les réseaux sociaux. Où qu'il soit, Père de gloire, que le sang de Jésus couvre et protège le peuple de l'église nationale de Dieu, de Roubaix, de Paris, partout dans le monde entier. Que le sang de Jésus, oh, nous lave à l'hysope, et que nous soyons plus blancs que la neige. Que le sang de l'agneau immolé, oh, je fais voir le sang de Jésus à mes enfants et mes petits-enfants. Logique spirituelle, je bois le sang de Jésus par la foi. Que le sang de Jésus nettoie mes organes, nettoie mes organes de chair ou de sang. Que le sang de Jésus enlève, Père de gloire, toute maladie. Que la prière accorde dans le système de foi. Que le sang de Jésus puisse restaurer éternel mon Dieu, mon roi. Le système de frère, le système, oh Dieu, sœur, oh Père de gloire, mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance par le sang de l'agneau immolé, par le sang de Jésus Christ, le sang qui guérit, le sang qui guérit, que ton sang précieux couvre et protège éternel. À l'époque de Noé, la Bible dit, il ferma la porte sur Noé, Père de gloire, parce que tu ne voulais pas qu'il soit atteint. En ce moment, Père de gloire, nous venons mettre le sang de Jésus aussi le linteau de nos maisons. Nous mettons le sang de Jésus afin de couvrir et de protéger le peuple de Dieu, les fils d'Abraham, nos filles d'Abraham, afin qu'ils ne soient pas atteints par la maladie. Oh, nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang précieux, Père de gloire, oh, soulage quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus. We are still going to pray, dear brethren. Nous continuons de prier, bien-aimés. Let's ask the Holy Spirit to take control of this service today. Nous allons demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour le culte de ce matin. That the Holy Spirit touch each and every one of us today. Alléluia. That the Holy Spirit should manifest mightily. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. To grant us the understanding of His words. Afin de nous donner la bonne compréhension. That the Holy Spirit should have a place in our hearts. Afin que la parole puisse trouver place dans nos cœurs. To take place in our hearts, dear brethren. Afin que la parole puisse trouver place dans nos cœurs. So that it will germinate and produce good fruit in our lives. Afin que le Saint-Esprit fasse en sorte que la parole que nous allons écouter puisse trouver place. We transform us today. Puisse nous transformer aujourd'hui. And so that we will remain the same. Et que nous ne puissions pas rester le même. Let's pray in the name of Jesus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oh, dear Spirit of the Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Dear Esprit de Dieu, God. Esprit de vérité, of light. Esprit de révélation, Esprit de sagesse, Esprit de conseil, Esprit d'enseignement, oh Esprit de puissance. Descend et spirit of wisdom. Visite spirit of mon knowledge. Frère, visite spirit ma soeur. Of power. Accorde, oh spirit of anointing. Père de gloire. Mon Let Dieu, mon roi, accorde une bonne compréhension de la parole, afin Because que Père de gloire, à quiconque qui écoutera, descend, oh Père de nos voix, Père de gloire, là où il Come est, que la parole, Père de gloire, puisse produire des fruits, que cette parole qui sera prêchée, puisse tomber sur May une bonne terre good fruit au nom puissant de Jésus-Christ. So que la parole blesse le Père de gloire qui sera tombé, so qui va tomber, Père de gloire. So que nos cœurs se transforment en perspective afin de produire Let de bons fruits. Oh, par 100, par 60, comme il est écrit dans la parabole oh, du semeur. Oh, cher ami Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Oh, sans toi nous ne produirons jamais de fruits. Oh, cher ami Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Viens et agis. Manifeste ta puissance. Glorifie ton Saint-Esprit, cher ami Saint-Esprit. Dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, en commençant par ma maison. Père, touche mes enfants. Que cette parole puisse les transformer, Père de gloire. Touche tous nos enfants spirituels.
touche un frère, touche une sœur, les membres de ma famille qui me suivent en ce moment. Oh, Père de gloire, ma belle famille. Oh, let Père, us support the Lord. On nous, those who are connected to Lord. L'église universelle that de Dieu. Tous ceux qui sont connectés en ce moment. Esprit de Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Touche, touche. Touche, you who dreamt bad last night. Toi qui as fait un mauvais rêve la nuit dernière. You dreamt bad last night. Tu as fait un mauvais rêve. With your faith and my faith this morning. Avec ta foi et ma foi ce matin. We are going to destroy that bad dream. Nous allons détruire cette puissance de mauvais whatsoever songe. That bad dream may be. Peu importe le mauvais songe que vous avez fait. We are going to destroy it. Nous allons le détruire. By the fire of Holy Ghost. Par le feu du Saint-Esprit. By the fire of Holy Ghost. Par le feu du Saint-Esprit. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie la foi. Father, in the name of Père Jesus. De gloire. Je viens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie tous les cauchemars. S'il y a mes enfants éternels qui ont fait de mauvais songes. S'il y a mes frères et sœurs qui ont fait de mauvais songes, Père de gloire. Des manipulations sataniques dans les songes. Ces songes éternels, Père de gloire. Il a rêvé peut-être éternel qu'il était poursuivi. Il a rêvé peut-être qu'il était tué. Il a rêvé peut-être, oh mon Dieu, mon roi, qu'il mange. Au travers des songes, de mauvais songes, nous les rendons les sans effet et nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Dieu me montre quelqu'un. Tu as fait un mauvais songe. God is showing me something. You dreamt bad. C'était une mauvaise visitation. It's a bad visitation. Il y a eu dans ce songe-là des chiens qui te poursuivaient. So in that dream was a dog pursuing you. Je suis en train de voir ça clairement. I can see it clearly. On t'a le chien a aboyé sur toi. That is the dog was barking at you. Et sur ton pantalon. And on your trousers. Et jusqu'à ce que tu t'es même blessé. Even the dog even bites you and you were wounded. J'ai détruit cette puissance de ténèbres dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit cette puissance de ténèbres dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'avance cet esprit-là. I blindfold that spirit. Je mets une barrière entre toi et cet esprit-là. I put a barrier between you and that spirit. Cet esprit-là ne te retrouvera plus. Hey, mais that spirit will never see you no more. Amen. Je mets les ténèbres du côté de cet esprit, comme Dieu a dit au peuple d'Israël. Je mets les ténèbres du côté de l'Égypte et la lumière du côté du peuple d'Israël. Amen. I put a darkness in the sight of your enemies, of that darkness. As what according to what God said, that I put darkness in the sight of Egypt and I put light in the sight of Israel. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. We are still going to pray, dear brethren. Contre toutes les mauvaises, contre toutes les incantations. Against every evil incantation. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier ce matin quand tu t'es réveillé. Maybe when you wake up, you don't have the time to pray. Même si tu es confiné, mais tu n'as pas eu le temps de prier. Even though you are being isolated or locked down or restricted, you still don't have time to pray. Je suis en train de voir des incantations dans un village. I can see incantation in the village. Nous allons prier. We are going to pray. Que toutes les incantations. That every evil
evil incantations. Contre toi. Against our lives. Retourne aux expéditeurs. Go back to sender. Que toutes ces incantations. That all these evil incantations. Soient déclarées nulles sans effet. And that it shall never come to pass. Élève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toutes les incantations sataniques. God is still showing me this. Tu as mal au ventre. That you have pain, you have stomach pain. Je le vois clairement. I can see it clearly. Un problème d'estomac. That you have stomach pain. Pendant qu'on faisait des incantations. So we are praying for incantations. On t'a fait manger. They are made to eat something. Il y a aussi un petit enfant. A little child. À qui on a fait manger. They gave that child something to eat. Et cet enfant a pleuré toute la nuit. And that child cried all the night. Parce qu'il a mal au ventre. Because that child c'est une petite fille. A little girl having stomach pain. Nous allons détruire cela dans le nom puissant de Jésus. We are going to destroy that in the name of Jesus. Tu sais qu'on a fait manger à ton enfant. Whatever they make your child to eat. Toi qui as remarqué que l'enfant a pleuré toute la nuit. Et c'est une petite fille. You that noticed that little daughter, that little girl cried all the night. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Nous allons détruire cet esprit-là. Ce mauvais esprit. We will destroy that bad spirit. C'était un envoûtement. It's a spirit of bewitchment. Nous allons les détruire dans le nom puissant de Let's Jésus. Destroy in the name of Père Jesus de gloire, Christ. Je fais vomir cet enfant Father, in the de name tout of ce Jesus que le diable lui a fait manger Papa pendant la nuit. Mon de ventre, venant de monde de ténèbres, je te détruis. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Père de gloire. Toutes ces semences sataniques qu'on a fait manger à un enfant. Oh Père de gloire, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie d'une famille quelconque, d'un enfant, oh Père de gloire, nous le détruisons. Dans le nom puissant de Jésus, que cet enfant le vomisse, que cet enfant le vomisse, que cet enfant le vomisse. You are feeling dizzy. De maux de tête. Headache. De maux de tête. Serious headache. C'est un gros monsieur. You are a man. Tout noir. Je te vois. Dark in complexion. Je te vois avec des poils sur la poitrine. I can also see you have hairs. Tu es en train de transpirer. And you are even sweating. Tu es en train beaucoup de en train de transpirer. You are even sweating. Mal à la tête. You are having serious headache. Mal à la tête. C'est comme si ta tête veut tomber. It's your head wants to fall. My Ce n'est pas un mal de tête normal. It's not a normal headache. Le Dieu qui est omniprésent. The God is omnipresent. Qu'il te localise. Let him locate you lui right now. Lui qui m'a révélé. He will reveal to me. Ce qui se passe dans ta vie. What is going on in your Il life. Il te localise. May he locate you right now. Là où tu es. Locate you wherever you are right now. Que le mot de tête quitte ton corps maintenant. May that headache leave your body right now. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Vertige, sors de ce corps. You dizziness, out from mot that body. Mot de tête à répétition, sors de ce corps. A continual headache, out from that body Dans le right nom now. Puissant de Jésus. In the mighty name of que Jesus. Que le sang de Jésus te couvre. May the blood of Jesus Christ cover que you. Que le sang de Jésus te protège. May the blood of Jesus Christ protect you. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name. Name of Jesus. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, Alléluia. Chances, Père de gloire. Father of nous glory, te disons infiniment merci. We say thank you. Et pour ce moment agréable que nous venons de passer au devant de toi dans la prière.
with this wonderful time we just passed in during this session. Laisse que tu puisses répondre, éternel Père de gloire, à nos requêtes. Answer our request, Lord. Je t'aime, Seigneur Jésus. I love you, Lord Jesus. Parce que tu es un Dieu vrai. Because you are a true Parce God. Que tu es réel. Because you are real. Notre Dieu. Our God. Créateur de cieux et de la terre. The creator of heaven Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. You said, call on me and I will answer. C'est ce qui est merveilleux. That is what is wonderful. Parce que toi, notre Dieu, lorsque nous t'invoquons. Because you, our God, will call on you. Tu nous réponds. You answer, hallelujah. Parce que tu parles. Because you speak. Mais hallelujah. Les autres dieux. But other gods, ne parlent pas. They don't speak. Ce sont des monuments. They are just statues. Ce sont des feuilles. They are just iron. Ce sont des fer. They are just iron. Ce sont they des idoles. They are idols. Ce sont des bois. They are woods. Mais mon Dieu. But my God, il est vivant. He's alive. 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 Amen. Jésus est vivant. Jesus is alive. Jésus est vivant. Jesus is alive. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, là où tu es dans ta maison. Here you are in your home. Je veux que tu puisses réaliser. I want to realize que le Dieu de la Bible. That the God of the Bible. Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Le Créateur des cieux et de la terre. The Creator of heaven and earth. Le Dieu tout puissant. The Almighty God. Ce n'est pas un Dieu qui fait des théâtres. It's not a God that il ne parle pas en vain. He doesn't speak in vain. La Bible dit, il dit un mot. And the Bible says, he said a thing. Et la parole s'accomplit. And the word come to pass. Au commencement était la parole. The beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Essaye ce Dieu-là. Try this God. Et c'est un Dieu qui guérit. He's the God who heals. C'est un Dieu qui délivre. He's the God who delivers. C'est un Dieu qui bénit. He's the God who blesses. Il est vrai. He's true. Il est réel. He's real. C'est qui sort de sa bouche. What comes from his mouth? Mamma mia. Mais le tout n'est pas chez lui. We never go back to him. Sans produire ses effets. Without manifestation. Il guérit. He heals. Il guérit. He heals. Dans la Bible. In the Bible. Il a guéri des lépreux. He healed the leper. Dans la Bible. In the Bible. Il a guéri des asthmatiques. He healed asthma. Alléluia. Amen. Il peut te guérir. He can also heal you. Il peut te guérir. He can also heal you. Il est question de ta foi. It's a matter of your faith. Il a dit à la femme de perte de sang. He said to the woman of issue of blood. Ma fille, ta foi t'a sauvé. He said, woman, your faith has made you whole. Il a dit au centenier. He said to the centurion. Oh là là. Depuis, je n'ai jamais vu ce genre de foi en Israël. I never seen this kind of faith in Israel. Parce que le centurion disait. Because the centurion said. Oh, si je donne des ordres à mes généraux, ils respectent. When I give order to my workers, my that is those who are under my employees. Et lorsqu'il était retourné chez lui. But when he went back. La foi était déjà guérie. And the child was already healed. Toi aussi tu peux être guéri. You can also be healed. Avec la prière que nous avons faite. With the prayer we just did. Je sais que mon Dieu m'exauce toujours. I know my God always answers me. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you. Merci Jesus. Père de gloire. Thank you Father of glory. Merci mon Dieu mon roi. Thank you Adonai. Parce que tu es Jehovah Rapha. Because you are Jehovah Rapha. Je sais que tu as visité quelqu'un. I know you visited someone. Et tu as guéri quelqu'un. And you healed someone. Parce que tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir. You're not the son of man to lie. Ni pour te repentir. Or not to repent. Merci Père de gloire. Thank you Father of glory. Pour ce moment d'intercession. For this time of intercession. Nous allons maintenant écoutez ta parole. We are going to hear your word. Ô Père de gloire. Father of glory. Utilise ton instrument. Use your instrument. Puissamment. Powerfully. Afin que ceux qui vont écouter le son de nous qui allons prêcher. So also that we hear the sound of our voice. Père de gloire. Father of glory. Qu'ils puissent. For him or her. Réaliser. Realize par la présence des instruments que tu vas utiliser through this one you are going to use this morning mais que ta parole
Mais for your word. Qu'il puisse réaliser la puissance de la parole. May he or she realize the power of your word. Qui transforme les vies humaines. To transform Parce que tu as tout créé par la parole. Because all was created by voilà your word. Père de gloire. That is why Father of Venons au devant de ton trône de grâce. We are before you in the throne of your que grace. Nous soyons des simples instruments. We are just simple instruments. Mais que le Saint-Esprit But for the Holy Spirit, puisse nous utiliser puissamment to use us powerfully, afin que la parole qui sera prêchée so the words going to be preached, transforme les vies humaines to transform lives, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es, acclame, accueille la parole avec joie. La parole Put your hands together. Welcome the word of God with joy. Acclame. The word of God with joy. Bien-aimés dans le Seigneur, dear brethren, nous vous saluons au nom de Jésus. We greet you all in the name of Jesus Nous Christ vous aimons dans le nom puissant de Jésus. We love you all in the name of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dear brethren, ce n'est pas moi qui suis l'orateur de ce matin. It's not the pastor, the preacher of today. L'orateur de ce matin. The preacher of today. Pourquoi je lui ai laissé prêcher? Why allow her to preach today? Pendant la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, du vendredi. During the night, since on Friday. Dieu lui a donné un message. God gave her a message. On a partagé ce message-là. We shared the message together. J'ai un message que Dieu m'a donné. I also have a message that God gave to me. Que j'allais prêcher. That I wanted to preach. Mais j'ai dit, ma sœur, I said, my sister, servante de l'Éternel, the servant of the Lord, ce message, this message, c'est le message du moment. Is the message of today. Prêche. Of the moment, preach. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, that is why, dear brethren, je laisse la parole à la diaconesse Elisabeth qui va nous apporter la parole. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise mighty Jesus. Louons le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Alléluia. 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 I greet you all once again. Ah, je vous salue encore une fois de plus. I know the pastor have prayed already. Je sais que le pasteur a déjà prié. Let's also have a short prayer. Nous allons prier un tout petit peu. Father, in the name of Jesus Christ. Père au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I thank you, Lord. Père, je te remercie. Because this is the day you've made that you said we should rejoice and be glad. Parce que ça, c'est le jour que tu as fait afin que nous puissions nous réjouir en ces jours. Father, I thank you, Lord, for the opportunity, Lord. Père, je te remercie pour cette opportunité. That you give it to me and my household. Que tu m'as donné, moi et mon frère. That you give it to my brethren. Que tu as donné à mes bien-aimés. Qui sont connectés. And those that will still watch this video. Et tous ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. Baba, I thank you, Lord. Maintenant. Merci, because Seigneur. Because we are still alive. Parce que nous sommes encore en vie. Because we are still alive, Lord. Parce que nous sommes encore en vie. Because I see someone that is still preaching your word. People are still going to listen, Lord. Parce qu'il y a dans d'autres endroits des pasteurs qui prêchent aussi pour que les gens écoutent ta parole. Bénis ce pasteur-là. Baba, I say thank you. Père, je te dis merci. Lord, I have no words of my own. Oh, je n'ai aucune force, aucune puissance par moi-même. Lord, speak through me. Père, parle au travers de moi, Seigneur. As you've given me this message, dear Lord. De la même manière que tu m'as donné ce message, ô Seigneur. I don't want to speak according to the flesh. Je n'aimerais pas parler selon la chair.
May my flesh, oh Lord, disappear. Que ma chair disparaisse. May your spirit reign this moment. Que ton esprit règne en ce moment. May your spirit reign this moment. Que ton esprit règne et que ma chair s'éteigne. May your spirit reign this moment. Que ton esprit règne. May your spirit reign this moment. Que ton esprit règne en ce moment. Because may your spirit reign, oh Lord. Parce que lorsque l'esprit de Dieu règne, oh there Seigneur, is manifestation. Il y a la manifestation. There is testimony. Il y a des témoignages. There is transformation. Il y a la transformation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. May your spirit reign, oh God. Lorsque ton esprit règne. There is changement. Il y a des changements. There is healing. Il y a des guérisons. There is deliverance. Il y a des délivrances. May this word, oh Lord. Que cette parole, oh Seigneur. Deliver us, oh Lord. Nous délivre. Set us free. Nous rend libre. In order for us to have to enter everlasting life. Afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. In order for us not to miss the kingdom of heaven. Afin que nous ne puissions pas rater le royaume. Father in heaven. Père céleste. You are the best teacher. Tu es le meilleur enseignant. Come and teach us. Viens nous enseigner. Grant us the understanding of your word. Accorde-nous la bonne compréhension de ta parole. Break us, oh Lord. Viens nous briser. For oh your Seigneur. Word to enter to us. Afin que ta parole entre dans For nous. For your word to produce good fruit in our Afin lives. Afin que ta parole puisse produire de bons fruits dans nos vies. In the name of Jesus Au Christ. Nom de Jésus-Christ. Every evil arrows. Toutes les flèches de l'ennemi. That want to take away this message from the life of your children. Qui veut détruire cette parole dans la vie de tes bien-aimés. De I tes destroy enfants. The arrows right je now. Je détruis cette flèche and là maintenant. Back to et que cela retourne à l'expéditeur. In the name of Jesus Au nom Christ. De Jésus-Christ. May your word bless us abundantly. Que ta parole nous bénisse abondamment. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 I thank God Almighty. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. From the bottom of my heart. De tout mon cœur. For the privilege He has given to me. Pour ce privilège qu'il m'a donné. For me to still be alive. Pour que je sois encore en vie. Because without Him, dear brethren. Parce que sans lui, bien-aimé. We are nothing. Nous sommes rien. Without Him giving us the breath of life. Sans lui qui nous a donné le souffle de vie. Dear brethren. Bien-aimé. That man is dead. Nous ne sommes rien. Tu es mort. I thank God for the breath of life He has given to Je me. Je remercie Dieu pour le souffle de vie. To me and my household. Qu'il m'a donné à moi et à ma famille. And I also thank God. Je remercie Dieu. For my father in the Lord. Pour mon père spirituel. For my pastor. Pour mon pasteur. Also my husband. Et mon mari. Not only beside me. Pas seulement il est à mes côtés. He's also above me. Il est aussi au-dessus de moi. Because he's my chef. Parce que c'est mon chef. I also thank him. Et je le remercie. For also believing in the ministry that God has given to parce me. Parce qu'il croit aussi au ministère que Dieu m'a donné. I also thank each and everyone. Je remercie aussi tout un chacun. I thank God for your lives. Je remercie Dieu pour vos vies. Because we are still alive. Parce que nous sommes encore en vie. To also witness this message. Afin de témoigner ce message. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise Master Jesus. Que Jésus-Christ soit loué. I want us dear brethren to be attentive this morning. J'aimerais que bien-aimé toi qui écoutes le son de ma voix ce matin que tu sois attentif. I have a message for us. J'ai un message pour nous. Let our hearts dear brethren. Que nos cœurs bien-aimés be available. Soit disponible. Be available. Soit disponible. For the word of God. Pour la parole de Dieu que nous allons écouter. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. The word of God this morning, dear La parole de Dieu ce matin, bien-aimé. The title of my message. Le titre de mon message. Is repentance. C'est la repentance. According to what the pastor said earlier. Selon ce que le pasteur a dit tantôt. I thank God, dear brethren. Je remercie Dieu, bien-aimé. For this isolation period. Pour cette période de confinement. For this time of confinement. Time of a lockdown. Cet temps de confinement. God really visited me. Dieu m'a visité. I said almost every night. Et presque toutes les nuits. I would just wake up and be writing. Je me levais et j'écrivais le message que Dieu m'a donné.
I will share it with the pastor. Et on a partagé ça avec le pasteur. Even there was also one. Et il y avait aussi un autre message que j'ai reçu. J'avais reçu. Even myself, I was even afraid. Moi-même, j'avais peur. I was even afraid. J'avais peur. I was saying, God, have mercy. Oh, je disais, Père, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Have mercy. Aie pitié. Dear brethren, bien-aimés. Dear brethren, bien-aimés. This is not yet time of the end time. Nous ne sommes pas encore au temps de la fin. But let me tell us. Mais laissez-moi nous dire. It's the time of examination. C'est le temps de l'introspection, de s'examiner. It's the time of preparation. C'est le temps de se préparer. And it's also the time of repentance. C'est aussi le temps de se repentir. That is why I titled this message voilà today. Pourquoi j'ai intitulé ce message aujourd'hui. Repentance. La repentance. Repentance. La repentance. Repentance. La repentance. Tu peux aussi parler de ton songe comme ça a été. Hein? Mais bon, va droit au but. Repentance. Repentance. The pastor was telling me. I should also share the dream. Le pasteur disait si je pouvais partager le songe comment ça a été. Mais bon, as, va droit au but. Yeah, as time goes on, if there's time. If the time permitted me. Non, le temps est parti. So, repentance. La repentance. There is no one, dear brethren. Il n'y a personne, bien-aimé. There is above repentance. Qui est au-dessus de la repentance. We all need to repent. Nous tous, nous devons nous repentir. The bell is ringing. Bien-aimé, la cloche est en train de sonner. The bell is ringing. La cloche est en train de sonner. The bell is ringing. La cloche est en train de sonner. May God help me for this message. Que Dieu m'aide de transmettre ce message tel que je l'ai reçu. As I'm speaking right now. Mais pendant que je parle, bien-aimé, I'm trembling. Je suis en train de trembler. I'm shaking. Je suis en train de trembler. The bell is ringing. La cloche était en train de sonner the dans mon sang. The bell of examination. La cloche est en train de sonner. The bell of preparation. La cloche pour s'auto-examiner. La cloche pour se préparer. The bell is ringing. La cloche est en train de sonner, bien-aimé. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Repentance, dear brethren. La repentance, bien-aimé. Many of us have been hearing. If you look at the message we are hearing, we have been hearing it often and often. Bien-aimé, ce message sur la repentance, nous l'entendons souvent. Souvent, souvent, nous entendons des. Nous entendons parler de ça. I pray today. Mais je prie aujourd'hui. That God Almighty. Que Dieu Tout-Puissant. That God Almighty. Que Dieu Tout-Puissant. Should grant us. Puisse nous accorder. To grant us. Puisse nous accorder. For us to really put the word of God in practice. Nous accorder cet esprit de mettre la parole de Dieu en pratique. Hallelujah. Hallelujah. What is repentance? C'est quoi la repentance? Repentance. La repentance. We have been hearing repentance. Nous entendons souvent parler de la repentance. I make a research, dear brethren. Je fais une recherche. Repentance. La repentance. Is a change of mind. C'est le changement de pensée, de mentalité. Or to turn. Ou se retourner. To turn from evil ways. Se détourner de mauvaises voies. To turn from your evil thinking. Se détourner de tes mauvaises pensées. And to turn to God. Et tu te retournes vers Dieu. To be in the right way to God. Tu es sur le bon chemin, la bonne voie. Why? De Dieu. Why to God, dear brethren? Pourquoi chez Dieu, bien-aimé? Because he's the author. Parce qu'il est l'auteur. He's the creator. Et parce qu'il est le créateur. It's him who created you and I. Parce que c'est lui qui t'a créé, toi et moi. Dear brethren. Bien-aimé. Repentance. La repentance. Is change of mind. C'est le changement de pensée, de mentalité. The change of heart. Le changement de cœur aussi. To turn from your evil way. Quitter tes mauvaises voies. To turn from your wrongdoing. Quitter les mauvaises choses que and tu fais. To turn to God. Et retourne-toi à Dieu. In another way. En d'autres termes. To come back to God. Revenir à Dieu. To return to God. Retourner à Dieu. To return to your creator. Retourne vers ton créateur. Because it's him that will judge. Parce que c'est lui qui nous jugera. Because it's he that will judge us. Parce que c'est lui qui nous jugera. Because the kingdom of heaven belongs to him. Parce que le royaume de cieux lui appartient. The kingdom of heaven
kingdom belongs to him. Le royaume de Dieu lui appartient. And that is where we are going. Et c'est l'endroit où nous allons, nous partons. That is where we are going. Et c'est l'endroit où nous partons. I know people, some people will say, paradise is here on earth. Je sais que beaucoup de gens disent que le paradis se trouve ici bas. Kingdom of heaven is here on earth. Le royaume de Dieu se trouve ici bas. Let me tell you, dear brother. Laissez-moi vous dire, bien-aimé. If you don't prepare here on earth, si tu ne te prépares pas ici sur la terre, you will not enter the kingdom of heaven. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. So that means it's here, dear brother. Cela veut dire que c'est ici sur la that terre. That you have to make your examination. Que tu dois commencer à t'examiner. He said that you need to prepare. C'est ici sur la terre que Dieu te donne un temps pour te préparer. The results is the kingdom of heaven. Le résultat, c'est de te retrouver dans le royaume des cieux. That is the result, dear brethren. Le royaume des cieux, c'est le résultat. For him to say, afin que lui puisse dire de oh, toi. Oh, welcome my beloved son. Bienvenue, mon fils bien-aimé. Dear brethren. Oh, bien-aimé. It's a time of repentance. C'est le temps de la repentance. A time of repentance. Nous sommes dans le temps de la repentance. A time that we need to make a decision. C'est le temps où nous devons prendre une bonne décision. Maintenant, c'est le temps, bien-aimé. Repentance is when you make a decision. La repentance, ce n'est pas seulement te détourner de mauvaises voies, mais c'est une question de prendre la décision d'abandonner carrément les mauvaises voies. Not only to turn, non seulement retourner, it's when you make a decision, mais c'est quand tu as mis la décision that this wrong thing I'm doing, I will do it no more. Cette mauvaise chose que je fais, je ne le ferai plus jamais. That, c'est ça la repentance. Now I totally surrender to God. Maintenant, je m'abandonne. Tout mon être entier, je m'abandonne maintenant à Dieu. I totally surrender to God. Je m'abandonne totalement à Dieu. So what the wrong doing is my wrong thinking. I don't no more, no longer do it again. Et toutes les mauvaises choses que je faisais, même les mauvaises pensées que j'avais, qui étaient mon quotidien, je ne le ferai plus jamais. This is a welcome call for repentance, dear brother. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une sonnerie qui est en train de sonner pour que les gens se repentent. Tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment précis. It's a welcome call for us to turn from our evil ways. C'est un appel, c'est un rappel pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. To make a decision to regret of that wrongdoing. Et surtout de regretter les mauvaises choses qu'on a fait. Not to have remorse of that wrongdoing. Et pas se rappeler encore de mauvaises choses qu'on faisait, mais tu les regrettes. Que tu puisses avoir conscience et abandonner. And abandon it. Et abandonner. And forsake it. Et délaisser. Then you not turn to God Almighty. Et maintenant, tu vas tout droit vers Dieu pour ne plus regarder en arrière. You not turn to God Almighty. Et puis tu vas tout droit vers Dieu. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise Master Jesus. Que le Seigneur Jésus soit Let's loué. Look at the Bible, dear brethren. Nous allons regarder à notre Bible. For us to understand better. Afin que nous puissions mieux comprendre. In the book of Acts, dear brethren. Dans le livre de Actes des Apôtres. There are many passages. Il y a beaucoup de passages dans la Bible. Concerning repentance. Concernant la repentance. But I chose that I was inspired by this passage. Mais j'étais inspiré par ce passage. This passage I took, dear brethren. Ce passage que j'ai pris, bien aimé. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. I want us to be attentive. Acts of the Apostles, chapter 3. Actes des Apôtres, au chapitre 3. Verse 19. À partir de verset 19. Acts 3, 19. Actes chapitre 3, verset 19. Are we all there? Est-ce que nous y sommes là où tu es, bien-aimé, comme nous avons l'habitude? Honore la parole de Dieu, si tu peux bien te tenir. Et puis, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. So, as we always do, dear, wherever you are, stand on your feet for us to honor the word of God. I read in Jesus' name. Je lis au nom de Jésus. Look at what the Bible is saying. Regardez ce que la Bible dit, bien-aimé.
He said, "Repent, repentez-vous donc et convertissez-vous. And be converted, that your sin may be blotted out. Pour que vos péchés soient effacés. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur." I repeat again. Je répète encore. He said, "Repent, repentez-vous. Therefore, and be converted. Repentez-vous donc et convertissez-vous. That your sin may be blotted out. Pour que vos péchés soient effacés. So that times of refreshing may come from the presence afin of God. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Praise the Lord. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. Before, dear brethren, avant, bien-aimé, I go to verse 20. Je reviens au verset 20. Before I go to verse 20, avant que je continue au verset 20, I want us to understand this message. We are not going to rush it. Je ne serai pas pressé. J'aimerais que nous puissions comprendre ce passage. He said, "Repent." Il a dit, repentez-vous. He said, "Change." Il a dit, changez. He said, "Change." Il a dit, changez. Change, dear brethren. Changez, bien-aimé. Change and be converted. Changez et convertissez-vous. He said, "Change, dear brethren." Il a dit, changez, bien-aimé. He said, "Change." Il a dit, changez. Change and be converted, so that your sin may be blotted out. Repentez-vous donc et convertissez-vous. He said, "Change and abandon." Il a dit, repentez-vous et abandonnez. He said, "Change and forsake." Il a dit, repentez-vous et délaissez. Your evil way, your sin. Vos péchés. He says that your sin will be blotted out. Afin que vos péchés soient effacés. So your sin will be forgiven. Afin que vos péchés soient pardonnés. So that your sin will be wiped out. Afin que vos péchés soient effacés. So that your sin will be removed. Afin que vos péchés soient enlevés. We should change from our evil ways. Nous devons changer nos mauvaises voies. We should change our hearts. Nous devons changer nos cœurs. And abandon it. Et abandonner les mauvaises voies. Converted. Nous devons être convertis. True converted. Une vraie conversion. You know repentance, dear brethren. Vous savez la repentance, bien-aimé. There are some people that say they repent. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont repentis. They repent tomorrow, they are going there again. Ils se sont repentis, mais demain ils reprennent la même chose. But today, the bell I'm talking about today. Mais aujourd'hui, la cloche que j'avais vue, la cloche dont je parle. It's true repentance. C'est là, il s'agit de la vraie repentance. Godly repentance. La vraie repentance. Sincerely repentance. Une repentance sincère. Dear brethren. Bien-aimés. I will explain it further again. Je réexplique encore. J'explique he davantage. Said, you come to God. Il dit, tu es venu à Dieu. You come, you return back to God. Tu retournes à he Dieu. He said, when you return back to God. Et quand tu retournes à Dieu. He said, God, we wipe away your sin. La Bible dit, Dieu effacera tes péchés. Look at it again. Regarde encore ici. He said, so that times of refreshing may come from the presence of God. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. What is this time of refreshing, dear brother? C'est quoi ce temps de rafraîchissement? This refreshing means. Le temps de rafraîchissement veut dire that the time that new things will begin in your life. Alléluia. God. C'est le temps où les nouvelles choses commencent dans ta vie. Because that the time of new thing will come upon your life. Parce que les bonnes choses commencent maintenant dans ta vie. Because these good things can be a shower of blessing. Blessing will come upon your life. Ces bonnes choses peuvent être des bénédictions qui viennent dans ta vie. And these good things that will come is only from the presence of God, from the sight of God. Et notez bien que ces bonnes choses ne viendront que tant que, aussi longtemps que tu resteras dans la présence de Dieu. Because the Bible also makes us to understand. Parce que la Bible nous fait comprendre. He said, "Good things come from the Lord." Les bonnes choses all viennent. All good things come from the Lord. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. That is the time of refreshing. C'est ça qu'on appelle le temps de rafraîchissement. The time of rest.
le temps de repos. C'est-à-dire, toi, tu es au repos et Dieu fait descendre les bonnes choses pour toi. For toi, tu ne fais que recevoir. Alléluia. Toi, tu ne fais que accueillir ces bonnes choses. Tu es au repos. Dieu travaille à ta place. Parce que tu es maintenant en ordre avec as lui. From your evil way, I'm told to. You say, God, I surrender. Parce que maintenant tu t'es détourné de tes mauvaises voies. Tu as entendu le son de la cloche et maintenant tu es revenu. Behold, Lord, here I am. Et parce que tu t'es dit, mais voici, Seigneur, je suis près de you toi. You not make that decision. Parce que maintenant tu as pris cette décision. You not have that remorse, that conscience. Maintenant tu as cette conscience de mauvaises choses que tu ne veux plus reprendre. Tu ne reprends plus tes vomis. Tu ne ramasses plus les vomis. Alléluia. Tu as pris conscience maintenant. Alléluia. 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 Donc j'ai compris. Alléluia. Avant tu étais inconscient, tu étais ignorant. Mais maintenant, non. Dieu veut que tu prennes conscience. Alléluia. Then we are coming back then. Alléluia. Some are not in ignorance. Parce que les autres ne sont pas ignorants. Some are not ignorant. Non, certains ne sont pas ignorants. We are coming back there later. Nous allons en parler. Alléluia. We are still explaining this passage for nous us to understand. Nous allons expliquer ce passage pour que chacun puisse bien comprendre. He said, repent. Il a dit, repentez-vous. He said, come back to me. Il dit, retourne vers moi. Your sin, yes, come back to me. Viens avec tes péchés tels que with tu es. Really, sincere, your sincere heart. Avec un cœur sincère. He said, I will not remember your sin. À ce moment-là, je ne veux plus me souvenir, me rappeler de tes péchés. Yeah, he said, I will wipe away your sin. Il dit, j'effacerai tous tes péchés. Now, dear brethren, maintenant, bien-aimé, the time of rest will not come upon you. Le temps de repos viendra sur toi. Will not come upon you. Le temps de repos viendra through Jesus Christ. Au travers Jésus Christ. Through Jesus Christ. Au travers Jésus Christ. Which he has preached to you before. Oh, which he has been announced to us before. Ce qu'il a déjà annoncé. Even from the book of Matthew. Même depuis le livre de Matthieu au chapitre 3, quand Jean-Baptiste disait, repentez-vous, repentez-vous. Dear brethren. Bien-aimé. Repentance is not only now in the New Testament. Repentance, ce n'est pas seulement aujourd'hui dans le livre des Nouveaux Testaments. It has also been prophesied according to Isaiah. C'était déjà prophétisé dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et le Jérémie avait déjà annoncé la repentance. Dear brethren. Oh bien-aimé. Repentance. La repentance. Repentance. La repentance. I know many of us, many people will be thinking. Et je sais que beaucoup de gens diront. Repentance. La repentance. Repent. La repentance. We should talk from our wrongdoing. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Dear brethren. Bien-aimés. Dear brethren. Bien-aimés. After this confinement. Après ce moment de confinement. After this isolation. Après ce moment d'isolation. Is going to still be a fool for those who are not yet prepared. Il y aura des gens qui vont se comporter comme de fous, comme si on ne les a pas préparés au travers des confinements. C'est comme le dit Vierge, 5 étaient préparés et 5 n'étaient pas préparés. I know some will still go and say, ah, nah, all this that happened before, I'm still alive. Ah, les autres diront, oh, malgré le confinement, je suis encore en vie. Let me tell us, dear brethren. Laissez-moi vous dire, bien-aimés. Let me tell us. Laissez-moi vous dire, bien-aimés. This is a ringy bell. Et ça, c'est une cloche, for une repentance. Sonnette qui nous rappelle la repentance. For repentance. Pour la repentance. Now, dear brethren. Maintenant. Let's look at the book of Ezekiel. On y va dans le livre de Ézéchiel. The book of Ezekiel, dear brethren. Le livre de Ézéchiel, bien-aimé. You don't need to play with this time. Tu n'as Ezekiel pas besoin 18. De jouer, bien-aimé. Ézéchiel chapitre 19. Ezekiel 18, 21 to 22. Ézéchiel 18, à partir de versets 21 et 22. We are still explaining for us to understand. Je vais très bien expliquer ça pour que nous puissions bien comprendre. We are still explaining. Nous sommes en train d'expliquer. What is repentance? Bien comprendre. C'est quoi la repentance? More explanation. Regardez plus d'explications.
For us to understand this passage. Pour que nous puissions comprendre ce passage. Many of us are thinking. Beaucoup de nous pensent. That it's only people that kill that need to change. Il n'y a que les gens qui ont tué qui peuvent changer. Let me tell us, dear brethren. Laissez-moi vous dire. There is no small sin. There is no big sin. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de grand péché. Even the one you conceive in your heart, God sees it. Même ce que tu as conçu dans ton cœur, Dieu le voit. Look at what Ezekiel is telling us. Ezekiel 18:21-22. Regarde ce que Ezekiel nous dit. Dans Ézéchiel chapitre 18, 21 à 22. He said, but if a wicked man turns from all his sins, si le méchant revient de tout which he has committed, qu'il a commis, and you know you committed sin, et tu sais que tu as commis des péchés, he said, turns, s'il observe from his sin, keep all my statutes, s'il observe toutes mes lois et pratique and la droiture, does what is lawful and right, et la justice, and he shall surely live, il vivra, il ne mourra pas, he shall surely live, he shall not die. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Look at verse 22. Regardez le verset 22. The number of the transgression we he as committed shall be remembered. Amen. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Against him. Seront because oubliées. Of the righteousness which he has done, he shall live. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Praise the Lord. Que le Seigneur because soit loué. Of your right doing, your good doing. À cause de la droiture que tu as he pratiquée. Said you will not die. Toi, tu ne mourras pas. People would think that only die is not that they put in the that are buried, that are dead. Et les gens pensent seulement aux gens qui sont morts, qu'on a mis dans les cercueils, qui sont morts. Let me tell you, dear brethren. Laissez-moi vous dire, bien-aimés. Even though when you are alive. Même si tu es en vie, on parle aussi de la mort spirituelle. We're talking about spiritual death. On parle de la mort spirituelle. Spiritual death, yes, dear brethren. Lorsque tu ne pratiques pas la droiture, when you don't, mort when you don't practice. The righteousness of God. Quand tu ne pratiques pas la droiture. When you don't turn from your evil ways. Si tu ne te détournes pas de ta méchanceté. You are dead physically, spiritually. Tu es mort spirituellement. You are dead spiritually. Tu es mort spirituellement. You are dead spiritually, dear brethren. Tu es mort spirituellement, bien aimé. So that is why, dear brethren. Voilà pourquoi, bien aimé. Why all this repentance? Pourquoi nous devons nous repentir? It's for our own salvation. C'est pour notre propre salut. It's for our own salvation. C'est pour notre for us to enter the kingdom of heaven. Afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Praise the Lord. Oh, que Dieu soit loué. And the Bible also makes us to understand, dear brethren. La Bible nous fait comprendre aussi, bien aimé. In the book of Romans 6:23. Dans le livre de Romains chapitre 6. 6:23. Dans le livre de Romains chapitre 6, 23. Hallelujah. 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 Romains chapitre 6 au verset 23. Are we all there? Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? What Bible is saying? He said, for the wages of sin is death. Car le salaire du péché, c'est la mort. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus Christ mais our le Lord. Don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Hallelujah. Notre Seigneur. Hallelujah. He said, the salary of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. The salary, the wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. But God Almighty. Mais le Dieu Tout-Puissant. The Bible says he gave us life everlasting. La Bible déclare. He came to give us life everlasting. Il est venu nous donner la vie éternelle. He is warning us for us to have everlasting life. Il est en train de nous avertir afin que nous puissions nous apprêter pour nous préparer pour la vie éternelle. For us to have everlasting life. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Let's also look at some sins in the Bible, dear brethren. Regardons aussi le psaume 6 dans no. la Bible. Some sins. Quelques péchés dans la Bible. Let's read the book of 1 Corinthians 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, 9 to 10, dear brethren. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Praise the Lord. Hallelujah. Repentance. La repentance. Repent. Repentez. Repent. Repentez-vous. Repent, dear brethren. Repentez-vous, bien-aimés. The kingdom of God is at
sound. Oh, le royaume the bell is cieux. Ringing. Oh, la sonnette sonne. The la bell is sonne. Ringing. La cloche sonne. The bell is ringing. La cloche est en train de sonner pendant le confinement. Alléluia. Alléluia. Are we all there? Est-ce que nous y sommes? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. I read in Jesus. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, Hallelujah. Ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. I read in English. Je lis en anglais. He said, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Mm-hmm. Do not be deceived. Mm-hmm. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners." We inherit the kingdom of God. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. What's Apostle Paul telling us here? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, bien-aimé? Ici, dear brethren, bien-aimé. He said, "Let no one deceive you." Il dit, ne vous y trompez pas. Let no one sugarcoat you. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te détruire ou te tromper. Look at what the Bible is saying. Regarde ce que la Bible dit. Oh. All these are sins. Regardez, tout ça sont des péchés. Il dit idolatra. You that is serving idol. Regardez, les idolâtres. You that is carrying one leg inside, one leg outside. Toi qui sers encore des idoles, un pied dedans à l'église, un pied tu consultes encore les marabouts, les idolâtres. Today you know God. Maintenant tu connais Dieu. Tomorrow you want to seek for native daughter. Mais demain, aujourd'hui tu connais Dieu. Demain tu changes, tu vas chercher les marabouts. It says you will not inherit the kingdom. La Bible est claire ici. Tu n'hériteras pas de royaume. If you are hearing the sound of my voice now, or after that you will see this video. Si tu entends le son de ma voix ou après quand tu regarderas cette vidéo en différé, la Bible dit repens-toi. Repent and turn to God. Repens-toi et retourne-toi vers Dieu. Return to God. Et retourne-toi vers Dieu. Adulterers. Adultère, les adultères. You also read the book of Galatians, dear brethren. Si tu regardes aussi dans le livre des Galates. Also the same thing. On nous dit la même chose au chapitre 5. 5:21. Au chapitre 5, 21. It's an enviness. La Bible dit les envies. You that are envy your neighbor. Toi qui envies tes voisins. You jealous your neighbor. Toi qui jalouse tes voisins. You jealous. Si jalouse. Repent. Repens-toi. Repent. Repens-toi. Repent. Repens-toi. You that is fornicating. Toi qui es dans la débauche. Let me tell you, dear brethren. Laisse-moi te dire. The bell is ringing. La sonnette est en train de sonner. Repent. La cloche sonne. Repens-toi. You also reveal us. Toi qui les outrageux. Let me explain this, dear brethren. Les outrageux, c'est-à-dire les gens qui parlent mal, vulgairement. Qui détruit la réputation des autres. You destroy the reputation of others with your mouth. Toi qui détruis la réputation des autres avec ta bouche. You slander. You want to slander people. Tu calomnies. God is telling me to repent right Dieu now. Dieu est en train de me dire, de te dire que tu dois te repentir. Repent, dear brethren. Sinon tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. About the dream I dreamed, dear brethren. Je sais de quoi je rêvais. You that is watching me now. Toi qui es en train de me suivre maintenant. You are still plotting evil. Et tu continues à faire du mal. You are plotting evil against someone. Tu es en train de comploter du mal contre quelqu'un de mieux. You are making slander against someone. Tu calomnies contre les gens. Let me tell you, dear brethren. Laisse-moi te dire, bien-aimé. In this your evil plots. Avec tes mauvais plans. You need to repent.
repent. Tu dois te repentir. Because if not, parce que sinon, someone is going to die. Quelqu'un mourra. And that person that will die, et la personne qui mourra, the blood of that person will be on your head. Le sang de cette personne sera sur ta tête. It's a message for you this morning. C'est un message pour toi ce matin. It's a message for you this morning. C'est un message pour toi ce matin. You have to still plan it. You are still planning to do evil, to slander. Toi qui planifies de faire du mal. To gossip. De calomnier. To use people's head to eat each other. Tu fais bouger les têtes des gens. Tu fais taper les têtes des gens. To disgrace your fellow human being. Ah, tu disgraces tes camarades. To bring your fellow human being down. Tu diminues les gens. The message for you, say you should repent. Le message pour toi, tu dois te repentir. Because if you don't repent, somebody is going to die in that your evil plan. Parce que si tu ne te repens pas, for that your gossip. À cause de tes calomnies. Of your gossip. De tes commérages. Of your gossip. Someone is going to die. À cause de tes commérages, quelqu'un mourra. And that person's blood will be on your head. Et le sang de cette personne sera sur ta tête. It's a warning. Et Dieu t'a dit. And it's an advice. Et c'est un conseil. God said me to tell you to change. Dieu m'a dit de te dire de changer. Change, repent. Répands-toi. Change your mind. Change ta mentalité. Change your heart. Change ton cœur. Change your heart. Change ton cœur. Hallelujah. 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 He said, extortion us. Et il dit, les outrages. You don't want to take something that don't belong to you. Toi qui prends des choses, you are taking it by trick. Tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu prends by ça. By trick. Tu prends ça par de by mauvaises. By conny. Tu récupères les choses des gens par tu fais le malin en récupérant yes. Les choses des autres. Conny. God is to avoid to change. Say change. Dieu, c'est toi que j'avais vu. Dieu me dit que tu dois changer. It's a change. Dieu me dit que tu dois changer. It's a change. Dieu me dit que tu dois changer. Attends, je vais bien expliquer ça. C'est-à-dire, on les appelle des farceurs. Hein, parce que toi, tu es tellement malin. You are so stupid. Tu es tellement malin. You are tu so viens, tu manipules les gens. You et are tu récupères yes. Les choses des autres. They don't belong to you. Des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais manipulating people. Tu manipules les gens et tu récupères les gens. Ce genre it's de personne-là. Et ça, c'est even partout. Même dans l'église, tu es dans God l'église, tu change. Le fais encore. Et Dieu te dit de changer. Il dit change. Change. Il dit change. Répands-toi. Change. Répands-toi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Il dit idolatres. Et les idolâtres. Adulteras. Les idolâtres. Adulteras. 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 Les efféminés alors. Adulteros. Les efféminés. You are married. Tu es les adultères. Les adultères. Ouais. Adulteros. You are married. Tu es marié. Be man, be woman. Que tu sois homme ou femme. God says you should change. Dieu dit tu dois changer. In this situation of isolation. Dans cette situation de confinement. A cheating husband. Un homme qui triche. And you are married. Et tu es marié. How is the business now? Maintenant. Que fais-tu pendant le confinement? How business? Réfléchis. Le confinement, c'est un moment de repentance. How business? C'est un moment où la cloche est en train a de sonner. Woman, a shooting woman. Toi qui es une femme adulte. And you are married. Tu es mariée. How business? Alors, comment va ton business maintenant? Repent. Pendant le confinement, repent. The kingdom of God is at hand. Dieu a permis le confinement pour que tu arrêtes et que tu repentes. Repent. Repends-toi. Repent. Repends-toi. The bell is ringing. La sonnette est en train de sonner. Hallelujah. La cloche est en train de sonner. Hallelujah. La cloche est en train de sonner. You who is always lying. Toi qui mens. That has a lying tongue. Toi qui mens. Look at what the Bible is telling you. Regarde ce que la Bible dit. What the Bible is telling you. Regarde ce que la Bible dit. Praise the Lord. Que Dieu soit look at John 8. Dans le livre de Jean, chapitre 8. John 8. Jean, chapitre 8. John 8, 44. Jean, chapitre 8, 44. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Jean, chapitre 8, au verset 44. John 8. Jean, chapitre 8, verset 44. Liars. Adulterers, murderers, killers. Look at
Paul is saying concerning your situation. Regarde ce que la Bible dit. John 8, 44. I read in Jesus' name. Je lis au nom de Jésus. Il Jean dit, chapitre 8, verset 44. He said, you are of your father, the devil. Vous avez pour père le diable. Of course, you are not of God. Oui, tu n'appartiens pas à Dieu. Because God is the good side. Parce que Dieu est du bon côté. He said, God is light. Dieu est la lumière. He said, you are your father, the devil. Vous avez pour père le diable. And the desire of your father. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. You want to do. He was a murderer. Il a été meurtrier dès le commencement. And does not stand in the truth. Et il ne se tient pas dans la vérité. Lie. Parce qu'il n'y a pas. Because there is no truth in him. Il n'y a pas de vérité en lui. When he speak a lie. Lorsqu'il profère les mensonges. A lie from his own resource. Il parle de son propre fond. From his own resource, from his heart. For he is a liar and the father. Of it. Car il est le menteur, et le père du mensonge. Praise the Lord. Que Dieu soit you loué. Who is always lying. Toi qui mens toujours. You a murderer. Toi qui es meurtrier. The Bible is saying here. La Bible dit ici. He said your father is the devil. Ton père c'est le diable. Your father is the devil. Ton père c'est le diable. So this is the time. Ça c'est le temps. For c'est le moment. To come back to your heavenly father. Que tu retournes auprès de ton père céleste. You have to renounce that your devil father. Renonce le diable, renonce le mensonge. Toi qui mens quand tu respires, renonce le mensonge. He said, the devil is your father. Il dit, quand tu mens, ton père c'est le diable. He said, it's your father. Ton père c'est le diable quand Praise tu mens. The Lord. Que Dieu, le Seigneur soit loué. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. He said, your father is the devil. Il dit, ton père c'est le diable. That is why you are doing his work. Voilà pourquoi tu travailles pour le diable. That is why you are his accomplice. Parce que tu es comme son complice. That is why you are following him. Voilà pourquoi tu continues à le suivre. Because you there is no truth in you. Parce qu'il n'y a pas de vérité en you that is looking at me right now. Toi qui me suis en ce moment. And you that will still come and look at this video. Et toi qui regarderas cette vidéo après. The Bible is saying. La Bible dit. You that have a lying tongue. Toi qui as le mensonge dans ta langue. He said the devil is your father. Et la Bible est claire. Il dit que ton père c'est le diable. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise Master Jesus. Que Seigneur Jésus soit Praise loué. Praise Master Jesus. Que le Seigneur Jésus soit Dear, loué. We are still going to read. Bien aimé, nous continuons de lire. Let's read the book of the book of Acts 17. Actes. Allons-y dans le livre de Actes chapitre 17. Actes des apôtres chapitre 17. 30. Au verset 30. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Actes des apôtres chapitre 17. A call of repentance. Au verset 30. A call of repentance. Un rappel pour la repentance. And it's homosexual. Vous les homosexuels. According to where we read the book of 1 Corinthians. Selon ce que nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible est claire, il dit, tu n'hériteras point des royaumes de Dieu. You lesbian. Lesbiennes. Don't because some will say we are in Europe. You behave like a Roman. Oh, certains diront parce que nous sommes en Europe. Tu veux te comporter comme les Européens. That is not what my Bible is telling me. Ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Let me tell you, dear brethren. Laissez-moi nous dire, bien-aimés. My Bible here. Ma Bible me dit. My Bible here. Ma Bible I can carry my Bible everywhere. Je peux amener ma Bible partout. That means I need to follow what is in the Bible. Cela veut dire que je dois suivre. I need to follow the doctrine of my father. Je dois suivre ce que mon père me dit. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Look at what Acts 17:30 is saying. Regarde ce que la Bible dit dans Actes chapitre 17 verset 30. He said, truly, this time of ignorance, God overlook, but now. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, all men, every lieu, to repent. Qu'ils ont à se repentir. That means this is no more time of ignorance. Maintenant que tu sais cela. That the time of ignorance God over.
iniquities. Maintenant, le temps d'ignorance, Dieu t'a pardonné ses passés. God forgive, mais maintenant, God Dieu est en train de parler à toi qui nous suis maintenant. En tout lieu, tu étais ignorant. En tout lieu où tu te trouves. Avant, tu étais ignorant. Mais maintenant, tu le sais. Tu n'es plus ignorant. You are no more in ignorance. Maintenant, tu n'es plus ignorant. Of the word arrête of God. L'homosexualité. Arrête le lesbiennage. Arrête stop. L'idolâtrie. L'adultère. You are not glorifying the Lord. Arrête tout ce qui ne glorifie pas Dieu maintenant. You that is still a witch or wizard. Toi qui es encore sorcier ou sorcière. You are using plantation as your palace. Ah. Tu utilises la plantation comme étant ton palais. Because that is what I also saw. Ça, c'est ce que j'avais vu dans mon rêve, dans mon sang. As your palace. Comme étant ton palais. And let me tell you, dear brethren. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé. Everybody has seen everybody's palace. But your palace is darkness. Mais tout ici sur la terre, tout le monde voit ton palace, ton palais. Mais toi. Ton palais là dans le monde des you ténèbres. Witch, you wizard. Toi sorcier, toi sorcier. Repent and turn to God. Repens-toi et retourne à Dieu. Return to God. Pendant la journée, on te voit comme si tu es pauvre. You, mais dans la nuit, tu as un palais, toute une you villa. That is taking flight without paying. Là, tu prends l'avion sans payer you la are nuit. In the là, night. Là, tu prends l'avion pendant maybe, la nuit. Maybe your next city, you don't know your next city. Et peut-être que la prochaine cité, tu ne la connais pas. Oh, your next village, you don't know it. Tu ne la connais pas. But because you are a witch and wizard. Mais comme tu es sorcier et sorcière. You are flying. La nuit, tu voles. You are flying. Tu voles. Mais en réalité, dans la vie physique, you are nothing. Tu es rien. You are nothing. On t'a repéré. Change. You are not changed. Change. Change in the name of Jesus Christ. 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 Les sorciers, les sorcières là. Turn from your evil ways. Change tes voies. Change from your evil ways. And Dieu come back peut te délivrer. And come back to God. Dieu de la Bible. And come back to God. It's not too late. Il n'est pas encore trop tard. It's not too late. Il n'est pas encore trop tard. It's not too late. Il n'est pas encore trop tard. Maybe you are thinking. Peut-être que tu penses. It's too late. Ah, mais que c'est trop tard. It's not too late. Non, il n'est pas trop tard. Change and come to God. J'étais ignorant, maintenant en tout lieu. Confess. Tu le sais. Confesse seulement. Look at what the Bible is saying, dear brethren. Regarde ce que la Bible dit. In the book of Proverbs. Dans le livre de Proverbes. Proverbe 28:13. Proverbe 28:13. Alléluia. 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 Proverbe 28:13. Alléluia. Commence à t'arrêter dans une partie. 28:13. Il dit, « He who cover his sin will not prosper. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. But whoever confesses and forsakes them, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Alléluia. That means it's not too late. Oh, cela veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. So you have to turn to God right now. Tu dois retourner à Dieu maintenant. He said if you confess your sin. Si tu confesses tes péchés. He said if you confess your sin. Si tu confesses tes transgressions. And you abandon it. Et tu les abandonnes. You abandon it. Et tu les abandonnes. He said we show mercy. Oh, Dieu aura pitié de toi. He said we show mercy. Dieu aura pitié de toi. He said this is not the time of ignorance. Il dit ça, ce n'est plus le temps d'ignorance. He said this is the time of ignorance. Ça, ce n'est plus le temps d'ignorance. You have to observe the commandments of God. Observe les commandements you de Dieu. You have to come back to God. Reviens à Dieu. Because he will have mercy on you. Comme ça, il aura pitié de he toi. He will have mercy on you. He will have mercy on you. Il aura pitié de toi. Many people are afraid nowadays. Beaucoup de gens ont peur. They are afraid of coronavirus. Ils ont peur du coronavirus. But they are not afraid of God. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. The God that will judge. Le Dieu qui jugera. The God that will judge. Le Dieu qui jugera. Now look at the book of Luke, chapter 13. Regardons le livre de Luc 13. Luke 13. Luke 13. Luke 13. Luke 13. What the Bible is telling us. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What to make us to understand. La Bible nous fait comprendre ceci dans Luc chapitre 13. Dans Luc chapitre 13. From 2 to 5. À partir de verset 2 jusqu'à 5. Hallelujah. Alléluia. You that is still alive. Toi qui
encore en vie. You are still alive. Toi qui es encore There is en no vie. Repentance in the grave. Il n'y a pas de repentance dans le tombeau. Come to God. Viens en Jésus-Christ. Come to God. Change your mentality. Change ta mentalité. Change Reviens your evil ways. Change tes voies. Change the way you serve God. Change ta façon de servir And Dieu. And serve God correctly. Serve Dieu correctement. Serve God correctly. Serve Dieu correctement. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. And Jesus answered and said to them. Et il leur répondit. Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such thing? Look at three. Praise God. He said, I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Mm-hmm. Look at four. He said, all those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them. Do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? Five, he's warning us again, telling us, I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Alléluia. Je lis en français. Il leur répondit. Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. What does this mean, dear brethren? Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés? What are we to take it in the situation we are now? Je vais le prendre dans la situation que nous vivons maintenant pour bien me faire comprendre. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. He said, do you think those Galileans that died when they were building the tower in Siloam and still not fed on them, they died? Et vous pensez que ces Galiléens qui se sont fait tuer quand la tour de Siloé est tombée sont plus pécheurs que vous? You think they are all sinners, that's why they died? Vous pensez qu'ils sont morts parce que ce sont des pécheurs? Let me tell us, dear brethren. Laissez-moi vous dire, bien-aimés. He said we need to repent, if not we all will perish. Nous devons tous nous repentir, sinon nous tous nous périrons. Parce que you want to tell me, dear brethren. Tu veux me dire, bien-aimés. That all that died in Italy. Tous ceux qui sont morts en Italie. All that died in China. Tous ceux qui sont morts en Chine. Dying in France. Et tous ceux qui sont en train de mourir ici dying en France. Dying worldwide. Tous ceux qui sont en train de mourir dans le monde entier. You want to be they are all sinners. Et tu veux me faire croire qu'ils meurent parce que Because ce sont tous you, des pécheurs. You are still alive. Parce que toi tu es encore en vie. You are still alive. Come on. Because you are still alive. Let's go. You are better than them. Parce que toi, tu es encore en vie, tu penses que tu es meilleur, tu es mieux que ceux-là. Hallelujah. Do you think you are better than them? Tu penses que tu es meilleur que ceux-là. You want to tell me, dear brethren, among all those that died, à cause de tous ceux qui meurent en Italie, en Chine, there is someone that is a Christian, that is a believer, parmi eux, that is righteous. Tu penses que parmi eux, il n'y a pas eu un chrétien, quelqu'un qui était juste? They are all sinners, you are better than them. Tu penses que tu es meilleur que eux? That is what this passage is telling us. This passage is the time of moment, our time. Voilà pourquoi c'est pas. It's our time. Je dis clairement que ce passage. People are dying of coronavirus. Ce passage est en train de nous prévenir, nous tous. Il est en train de parler à nous tous. Ce n'est pas parce que les autres sont morts de coronavirus, ce sont des pécheurs. Yes. Et nous, puisqu'on n'est pas atteint de coronavirus, on n'est pas des pécheurs. Nous tous. Nous devons nous repentir. Sinon, nous aussi, nous périrons. We will all perish. Come on, praise God. We will all perish. Hallelujah. And that is what God not wants. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. He don't want us to perish, dear brethren. Il ne veut pas que nous puissions périr. Il veut que nous puissions nous repentir. He wants us to repent. La cloche est en train de sonner. The bell is ringing. Repentons-nous. He said, you forsake. He said, forsake and Pasteur, repens-toi. Archibishop, repens-toi. Repent, dear brethren.
Repens-toi. He said we all will also perish. Tous nous périrons. What does it mean, dear brethren? Qu'est-ce que cela veut dire? It doesn't matter those who are that died in coronavirus. Cela. Somebody can also die by accident. Quelqu'un d'autre peut aussi mourir par accident. Ce n'est rien si quelqu'un meurt par coronavirus, mais yes. Quelqu'un d'autre peut aussi mourir par accident. But when one died, is the judgment. Mais sache que dès que tu meurs, tu es parti, ton jugement, c'est là parce que but what, tu n'es plus vivant. You is the judgment. C'est le jugement. But what, dear, but that will be benefit to you. That will be gain to you. Mais ce que cela bénéfique pour toi. It's when you die in Christ Jesus. C'est quand tu meurs en Jésus Christ. Hallelujah. C'est quand tu meurs en Hallelujah. Jésus Christ. Il est temps de Hallelujah. That's because the Bible says, Book of Revelation 3:3. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3:3. Nobody knows the time is coming. Personne ne connaît quand est-ce qu'il viendra. Nobody knows the hour that is coming. Et personne ne connaît à quelle heure. That is why, dear brethren. Voilà pourquoi bien-aimés dans le Seigneur. We need to be prepared. Nous devons être préparés. We are not better than those who are dying. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui meurent. There are some that slept and no wake up. Il y a des gens qui s'étaient endormis mais ne se sont but pas you and I, we are still alive. Mais toi et moi nous sommes encore en but vie. A wake-up call said we have to repent. Mais toi et moi nous sommes encore en vie. We have to repent. Nous devons nous repentir. We have to repent. Nous devons nous repentir. We have to repent. Nous devons nous repentir. You need to accept Lord as Lord. You need to accept Christ as your Lord and personal Savior. Il est temps bien-aimé toi. You need to be baptized. Jésus Christ comme ton Sauveur et Seigneur, de le recevoir comme ton Sauveur et Seigneur, et de te repentir. Change from your evil ways. Et de te baptiser. Change from your evil ways. De tes mauvaises voies. Because the Bible says, dear brethren. Parce que la Bible dit bien aimé. In the book of Luke 5:31-32. Dans le livre de Luc chapitre 5 verset 21-23. It says, dear brethren. La Bible dit. It says, is the sick that need doctors. C'est le malade qui a besoin du docteur. C'est le malade. C'est le malade qui a besoin du docteur. That is the sinners, dear brethren, that need Jesus. Cela veut dire c'est le pécheur qui a besoin you de Jésus. You and I, we need Jesus Christ in our life. Toi et moi, nous avons besoin de Jésus Christ dans notre vie. Look, I say, look, I say, Jesus answered and said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Alleluia. Alleluia. C'est Luc 5, combien? 5:31-32. Alleluia. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Dear brethren, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. We are going to pray. Nous allons prier. Because we have to recognize nous devons reconnaître that we are sinners, que nous sommes that we are sick, que nous sommes malades. We need God. Nous avons besoin de Dieu. We need God Almighty. Nous avons besoin de Dieu Tout-Puissant. Dear brethren, bien-aimés, I don't know you. Je ne te connais pas. And you don't know me, your spiritual life. Et tu ne me connais pas, je ne connais pas ta vie spirituelle. You are going to pray. Tu vas prier. You are going to pray. Tu vas prier. You are going to pray. Tu vas prier. Concerning your life. Concernant ta vie. Ask God for mercy. Demande la miséricorde de Surrender Dieu. Surrender to God, dear brother. Abandonne-toi à Dieu, bien Surrender to God. Abandonne-toi à Take Dieu. Take a decision now. Prends la bonne décision maintenant. Time of repentance is now. C'est le temps de repentance maintenant. Time of repentance is now. C'est le temps de repentance. You need to change your heart. Change ton cœur. The Bible says the heart of man is in the hands of God. La Bible dit le cœur de l'homme se trouve entre les mains de Dieu. You are going to pray. Tu vas prier. Surrender to God. Abandonne-toi à Dieu. Surrender to God. Abandonne-toi. Revelation says. Le livre d'Apocalypse dit. He said we don't know when he's coming. Nous ne savons pas quand est-ce que. He said he will come like a thief. Il dit il viendra comme un voleur. It doesn't mean that he's a thief, dear brethren. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est un voleur. He said he will come the time you don't know. Et cela veut dire tout simplement il viendra à l'heure que tu ne connais pas. He will come the hour you don't know. Il viendra à l'heure the time you don't expect. Tu ne t'attends pas qu'il va venir. Are you going with him? Est-ce que tu iras avec lui? Are you going with him? Est-ce que tu iras avec lui? Will he say, oh,
my beloved son? Will he say my beloved daughter? Il dira, mon fils bien-aimé, or he will say the daughter of devil or the son of devil? Est-ce qu'il dira le fils de Satan, du diable, ou la fille du diable? Ouvre ta bouche et commence à prier. You that is planning evil. Toi qui médites encore du mal. It's the last warning. On sait le dernier avertissement. Planning plots. What of slander? Tu veux commérer. You want to put what your neighbor did not do. Tu veux mettre les gens dans des embrouilles for you to disgrace that person. Afin de disgracier cette personne. Enough for you to bring that person down. Afin de diminuer cette personne, de to bring it down. Ouais, de diminuer cette personne. You want to bring shame to that person. De rabaisser cette personne. You want to bring that. You want to bring shame to that person. Tu veux lui faire la honte devant les gens. You want to bring shame to that church. Tu veux rabaisser l'église de gens. God is saying you should repent. Dieu te dit de te repentir. Because it is your heart. Parce que dans ces actes que somebody tu fais, is going to die. Quelqu'un peut mourir. And that person's blood will be upon your head. Et le sang de cette personne sera sur ta tête. Open your mouth and begin to pray. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. All to Jesus, blessed Savior, I surrender. Open your mouth and begin to surrender to God Almighty. Et lève ta voix, commence à prier. Père de toi, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Sincere je viens abandonner un frère ou une sœur entre tes saintes mains. Godly un membre de ma famille entre tes saintes mains. Un membre de ces quartiers plein de gloire qui ne connaît pas encore le Seigneur. Ô Père de gloire, la Bible déclare qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Ô Père de gloire, la Bible déclare aussi, personne ne peut venir au Dieu, à Dieu le Père. Oh mon Dieu, en Jésus-Christ, c'est Dieu, le Père de la tire. Père de gloire, pardonne éternel, Père de gloire. Oh, tous ceux qui ont critiqué les églises, tous ceux qui ont critiqué les hommes de Dieu, ils ont calomnié, Père de gloire. Nous venons au devant de ton trône de grâce. Nous venons au devant de ton trône de grâce. Oh Père, demandez la miséricorde. Oh, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Oh Père de gloire, laisse que cet esprit de repentance puisse entrer dans le cœur d'un frère. Que cet esprit de repentance puisse entrer dans le cœur d'une sœur. Afin que, Père de gloire, les gens se retournent vers toi. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, Père, laisse que l'esprit d'évangélisation, Père de gloire, entre dans ma ville, dans mon quartier, dans ce pays, Père de gloire, partout dans le monde entier. Parce que tu nous as montré que tu as sonné la cloche pour que les gens puissent se préparer, pour qu'ils puissent abandonner leurs mauvaises voies. Et ceux qui n'abandonneront pas leurs mauvaises voies, lorsque la dernière trompette viendra, ils resteront, Père de gloire. Voilà pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, que nos enfants se défendent, que nos enfants, Père de gloire, se détournent de leurs mauvaises voies. Aide l'Église à conduire. Oh Père, les pasteurs, les prophètes, les faux docteurs, Père de gloire, les autorités, Père de gloire, qui nous gouvernent, qu'ils se répandent, qu'ils se répandent, et qu'ils se convertissent, et qu'ils reviennent au Dieu de la Bible. Don't go back to our merci Père de gloire de nous aider de ne plus répartir à ce que nous avions vomi. Père de gloire, change nos caractères, nos habitudes, nos mauvais comportements, Père de gloire. Namakasi Shmaite, Namuya Namaite, Namalimo Nayon Zambe, Yamanyo Sekokie. Namakasi nangaite, namuya nangaite, namolimo na yon zambe, yamba nyon se kokie. Père
Nous te disons infiniment merci pour ce moment agréable. For this wonderful time. Et quiconque qui a écouté le son de ta voix au travers de ses serviteurs se détourne de leur mauvaise voie. Et que la gloire revienne à toi. All glory belongs to que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. May the blood of God and protect us. Que ce message est ô Père de gloire. May this message, O Father of Glory, puisse tomber sur une bonne terre et produire des fruits. May it germinate and produce de bons fruits dignes de repentance. A good fruit worthy of repentance. Et que Père, si tu venais aujourd'hui même, if you are coming today, Father, que nous puissions être ensemble avec toi. For we to be together with you. Dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. The Bible says, "Let those that have ears hear what the Spirit is saying." La Bible dit que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit a dit à l'Église. Amen. Behold the announcements. Les annonces pour le peuple de l'Église universelle de Dieu, de Roubaix. Our collective fasting has ended. Nous avons terminé notre jeûne et prière. Je vais prier pour tous ceux qui ont jeûné. So after this announcement, the pastor is going to pray for everyone who fasted. So the individual fasting of nous continuons nos jeûnes individuels. I will send a text message for those who are concerned. Nous enverrons le texto auprès de tous ceux qui sont concernés. Every Tuesday we have a prayer meeting from 7 p.m. to 8:30 p.m. Chaque mardi, bien-aimé, n'oubliez pas, nous avons notre intercession à partir de 19h jusqu'à 20h30. We are Universal Church of God, a church for all. Nous sommes l'Église universelle de Dieu. Ça sera en live. Et j'aimerais que même le peuple de l'Église universelle de Dieu de Paris soit aussi connecté ce mardi-là. So I would also like people of University of God in Paris to be connected on Tuesday. Qu'il y ait une seule intercession pour tout le monde. So we have one service once for the church in Roubaix and in branch in Paris. Et la branche. Amen. La maison mère et la branche. Amen. The headquarters and the branch. So every Thursdays we have our Bible study from 7 p.m. to 8:30 p.m. Tous les jeudis nous aurons, ça sera aussi live, notre étude biblique. Je vais commencer une série d'enseignements, ça va beaucoup nous édifier sur le millénium. Sur le millénium. Millénium. Sur le millénium. Ça fait partie des temps de la fin. Amen. Ça fait partir de la nouvelle venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. So the pastor is going to start a new teaching on Thursday, millennium time. So be connected and invite people. Invitez beaucoup de gens. Jeudi de 19h à 20h35. Partagez cette vidéo, cet enseignement sur la repentance. Partagez aussi les vidéos sur les études bibliques et pourquoi pas les vidéos sur l'intercession aussi. Amen. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Subscribe to our YouTube. Sera déjà sur YouTube. Subscribe to our YouTube. Inscrivez-vous sur YouTube. On the 29th of August this very year. Le 29 août de cette année. Is the wedding ceremony between Sister Joyce and Brother Joshua. Ça sera le mariage de notre frère. In Universal Church of God. Ça sera le mariage de notre frère Josué et la sœur Joyce. À l'Église universelle de Dieu de Roubaix. Please, dear brethren, let's always be prayerful. Méditer the word of God. Continuons à demeurer les hommes et les femmes de prière. Always be in the presence of God. Restons toujours dans la présence de Dieu, méditons la parole. And stay safe. Et restons en sécurité. Let's also try to call one another. Et continuons de nous appeler. Not only in the church. De nous appeler les frères entre frères et sœurs. Tu n'as pas donné les listes des gens qui m'ont gêné. On va faire ça. Yeah, that is why I said those who will be to be fasting for the week. Okay. So the pastor is going to pray for everyone who fasted for the collective fasting. Si tu sais que tu as gêné. Even the children. Même les enfants qui ont gêné là où tu es, peuple de l'Église universelle de Dieu, de Roubaix ou de Paris, toi qui as assisté dans ce programme de jeûne,
Tu vas prier avec moi. So you who join the fasting, children, also that join the fast that we just ended on Friday, you are going to pray with the pastor. Père de gloire. Father of glory. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Certains n'ont pas gêné pour des raisons de santé. Some people did not fast because of their health. Ou de travail dur. Or their hard work. Mais Père de gloire, but Father of glory, ce dont le cœur était disposé pour être à la montagne cherchait ta face. But people are we are available to go to the mount to seek your face. Nous venons te dire infiniment merci pour les révélations. We thank for the revelation, Lord. Parce que amen. Nous étions à la montagne. Because we are in the mountain. Nous t'avons cherché pendant que tu te trouves. Amen. We seek you, we have found. Tu nous as parlé. Found. And you spoke to tu us. Tu nous as révélé des choses cachées. And you revealed everything to us. Dans la vie de l'Église. Concerning the church, tu nous as révélé les choses cachées. You revealed hidden things. Pour ce temps de la fin. For this end time. Pour préparer ton peuple à l'enlèvement. To prepare your children for the rapture. Pour que ton peuple puisse repentir. For your people to repent. Nous te disons infiniment merci. We say thank you. Béni quiconque Père de gloire qui était à la montagne. Bless everyone that was in the mountain. Who merci Père de gloire. Thank you Father. Pour la délivrance que tu as opérée au téléphone. And for the deliverance that you did through the telephone. Parce qu'il y a des gens qui ont prié avec moi au téléphone et le Dieu de la Bible les a délivrés même au téléphone. Amen. Because there are people that pray with the pastor and God rather through the telephone. Nous te rendons toute la gloire. We give you all the glory. Que la gloire revienne à toi. May all glory belongs to you. Père de gloire. Father of glory. Que l'église universelle de Dieu. May universal of God. Et l'église corps de Christ. And all body of Christ. Vive dans l'unité. Live in unity. Dans la paix. Dwell in peace. Dans la joie. Dwell in joy. Car tu reviens bientôt. Because you are coming back soon. Que l'amour de Dieu. May the love of God. Et l'amour du prochain. And may the love for one another. Elle demeure notre mot d'ordre. Let it be our portion. Let it be our word. Dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous couvre et nous protège et nous rende invisibles face aux flèches. Aux flèches enflammées de l'ennemi. May make us invisible to the arrows of the enemies. Écrase nos ennemis. Crush our enemies. Mais que nous ayons la victoire. And grant us victory. Et que nous puissions faire des exploits. For to make exploits. Dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons amen. Amen. And also, you who don't like to forgive. Soyez bénis. The Bible is asking us to forgive one another. Toi qui n'aimes pas pardonner, la Bible nous demande de nous pardonner. Because if you are asking God to forgive you your sin, you also need to forgive your neighbor. Pardonne aussi à tous ceux qui t'ont offensé. Turn from your evil ways. Nous vous aimons, soyez bénis, repent. Bon dimanche. Amen. Amen.